notre amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Qui fait la vie, tout projet et tout désir, Mère du Christ, ma tendre mère, présente-leur au Père. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, mon Père. Nous faisons aujourd'hui mémoire de la Vierge Marie. Avec Marie, Notre-Dame de la Merci, nous venons dire merci au Seigneur. Nous venons implorer ses grâces, ses faveurs, ses bienfaits. Par Marie, Notre-Dame d'Altagrâce, nous venons implorer ses grâces, ses bénédictions. Préparons-nous, frères et sœurs bien-aimés, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse. Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs bien-aimés, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as choisi la bienheureuse Vierge Marie, humble parmi les humbles, pauvre parmi les pauvres, pour être la mère du Sauveur. Nous t'en prions, accorde-nous à son exemple de t'offrir l'hommage d'une foi sincère, et de mettre en toi seul notre espérance du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
La première lecture est tirée du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 11e, les versets 9 et suivants. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie sont vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras « Je ne les aime pas », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent encore après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres, quand la porte est fermée sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons. Lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin, lorsque la mendier s'épanouit, que la sauterelle s'alourdit, et que le caprier laisse échapper son fruit. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue, avant que le fil d'argent se détache, et que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits, et que la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste, tout est vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons ensemble prier avec le psaume 89. Et après chaque strophe, nous répéterons « D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. » D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit « Retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. » D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile. Alléluia, alléluia, alléluia.
Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, alléluia. Soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples : Mettez-vous bien en tête ce que je vous dis là. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Elles restaient voilées pour eux, si bien qu'ils n'en saisissaient pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger sur ces paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est moi, comment nous y est? Comment nous y est? Avec Jésus, n'a pas qu'un bé, avec Jésus, n'a pas qu'un bé. Alors, c'est ça qui fait nous là, matin, parce que Jésus permet, malgré problème, malgré toutes difficultés, que pays nous a traversé. Donc, qui donc n'a pas traversé, mais Jésus pas quitté nous. Pourquoi nous? Nous sommes capables de réunir des possibilités pour nous capables, ensemble, entourer beaucoup de tables pour nous capables de partager colis, capables de partager sans lit. Et c'est ça qui sous la vie nous. Et c'est ça qui va nous raison, qui fait nous capables là matin. Et nous tendons bien dans l'évangile là. Côté ces deuxième annonce, passion Jésus-Christ. Deuxième annonce, passion. Ça veut dire qui ça qui va le gagner pour arriver. Même si nous-mêmes, je dis, nous connaissons tout ça, Jésus-Christ dépassé avant de mourir, toute souffrance endurée, mais ça n'a pas expliqué clair dans l'évangile là. Mais cependant, lui annoncer passion. Ça veut dire qu'il va le gagner pour lui souffrir, pour lui capable de mourir, mais certainement, il va le gagner pour être capable de ressusciter. Ça, c'est une deuxième fois, il a annoncé qu'il va le gagner pour lui souffrir. Ça veut dire que si il a gagné une deuxième fois, certainement, tu as gagné une première annonce. Et certainement, toujours dans Luc, dans chapitre 9, là, il a annoncé qu'il va le gagner pour être capable de souffrir. Et toujours dans Luc, toujours, une troisième fois, il va annoncer, nous allons venir plus devant dans le chapitre 18, dans verset 31 et 34, nous allons venir une troisième fois, côté il va annoncer passion. Mais ça qui attire attention, nous, qui va attirer attention, nous, c'est que l'évangile a dit nous, mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, elles restaient voilées pour eux. Les disciples, ils n'ont pas de comprendre. Parole ça, Jésus t'a parlé. Ça veut dire pour Jésus dit que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Petit monde, pral gagner pour livrer la main monde et monde pral faire ça ouvler avec lui. Mais pour disciple hein, qui fait tout temps yo y a marché avec Jésus pour prodige, pour merveille extraordinaire Jésus a fait, pour miracle Jésus a fait. Donc pas yon Jésus comme ça il a prétendre, c'est pas yon Messie comme ça a prétendre qui va mourir. Donc c'est même gens journée aujourd'hui, donc nous t'attendons. Donc c'est tel monde qui va prendre pouvoir, donc nous connaissons nos proches tel monde certainement pouvoir nan men nou net. Ça veut dire moi là était comme moi jouer dans pouvoir,
Mais pour nous, t'a dit, ah, c'est pour un titan, oui. Je commence à marcher avec elle, c'est pour un titan là. Certainement, on va le déçu. Ça veut dire, mais si ça, c'est pas Jésus ça va t'attendre. Hein, pour ça que Jésus fait, c'est pas ça que t'attendre. Et c'est ça qui arrive avec les Juifs, les prophètes. Dans l'Ancien Testament, il était annoncé Messie a bien pour les venir, pour les capables de libérer en bas de toute souffrance, en bas de toute calamité. Et Messie a été venu. Mais ce n'est pas Messie ça qu'il attend. Certainement, chef prêtre à l'époque, il attend le Messie dans le sens pas. Directeur la loi à l'époque, il attend le Messie dans le sens pas. Et les gens qui sont bas, hein, parce que des gens qui étaient sous occupation romaine, juifs qui étaient sous occupation romaine, et des gens, même gens dans tout pays, depuis l'occupation, des gens certainement qui contre l'occupation. Et les gens qui étaient contre l'occupation, certainement, ils ont obtenu un Messie de façon paille. Et Messie ont obtenu, ça le clair, c'est un Messie certainement qui a venu, qui a un gros char de guerre, certainement pour capable bataille beaucoup de pour capable mettre aux mains de donc, son Messie, certainement, comme ça, chacun dans ce spaïo, t'a pris des tonnes. Mais le Messie a venu, ce n'est pas ça qui arrive. Et Juif, yo, très certainement, à tout le cœur, il a tant Messie. Mais là, il y a une idée préconçue, ça a fait en pile fois, ou vient déçu. Parce que ce n'est pas ça qui est pas ça lié. Et toujours bon, il faut que nous, ouais, il faut que nous restions tant ça qui va venir pour nous capables de faire une idée de lui-même. Il ne faut pas attendre à tel bagage pour le faire, tel bagage pour le faire, et puis dans tête pas nous, nous allons dire, mais qui je l'ai fait. Mais non. Et c'est ça qui va arriver aux Juifs. Donc, ils vont passer à côté. Et il en est de même pour les apôtres, pour les disciples. Donc, ce n'est pas, mais si ça, on t'attend. Et nous sommes capables de voir, première annonce Jésus lui-même lui fait pour passion, c'est tout de suite après profession de foi, Pierre. Pour vous, qui suis-je? Et Pierre, je le connais, qui est toujours rapide, qui est pressé pour lui répondre, tu es le Messie de Dieu. Tu es le Messie de Dieu. Et à la fin de l'évangile, ça, Jésus, alors, Saint-Luc dit non, l'évangile a dit non. Donc, Jésus dit, il a passé au Lord pour ne pas dire ça. Mais Pierre, il a dit, tu es le Messie de Dieu. Pierre, certainement, les jeunes n'ont pas dit la réponse, non. Mais, il n'y a pas qu'on ait un Messie à le dire. Il n'y a pas qu'on ait ça, ça signifie. Et nous pouvons joindre tout sens Messie, c'est dans l'amour et dans la résurrection. C'est là que nous pouvons joindre tout sens Messie. Et là, Jésus dit, pas dit monde ça. C'est ça, nous, le secret messianique. Ça veut dire, secret sous Messie. Donc, il n'y a pas qu'on dit qui est lié. Yo pourquoi qu'on est qui est lié tout bon voué. Hein? Pour ça il vini, hein? Pour ça il vini pour accomplir volonté papa là, ça moun a dit de lia, c'est pourquoi j'aime ça. Et c'est ça que fait nous capable dans plusieurs événements côté Jésus il fait des miracles, mais en pile fois gen moun yo voulait prendre pour tout mettre loi. Mais non, c'est pourquoi ça. Parce que l'elle là pour arriver, il connaît bien qui mission là pour le faire. Et nous va joindre tout sens là. Mission, c'est dans la mort et dans la résurrection. Jésus-Christ nous parle de tout sens. Ça gagne. Donc, la mort, ce n'est pas un échec pour la révélation de bon Dieu. Même. Bon Dieu qui vient dire nous qui est lié tout bon vrai, la mort, c'est dans la mort exactement. Et c'est le plus gros acte que Jésus-Christ capable, bon Dieu lui-même est capable de dire. Mais qui est lié? Et nous avons trouvé ça un peu bizarre. Pour c'est non la mort qui c'est disparition. Et c'est là, bon Dieu, pour le révéler, pour le manifester, pour dire qui est lié. Donc c'est tellement nous capables de dire, ah, je ne pas comprendre ça. Hein? Ça, c'est des bagages contraires. C'est un paradoxe. Hein? Non la mort, c'est disparition. Mais comment non la mort que bon Dieu lui-même il va être capable de révéler? Donc la mort lui-même, c'est il fait partie. Jésus-Christ même, parce que Jésus-Christ lui-même, il est venu pour être capable de venir souffrir avec nous, et il est souffrir avec nous pour nous capables de prendre forme monde, et puis nous-mêmes pour nous capables de venir sembler tout bon vrai, pour nous capables de venir sembler net
avec bon Dieu. Et il est très clair pour les disciples ne pas comprendre ce qui arrive. Et pour être capable de comprendre, c'est seulement Jésus-Christ encore qui pourra permettre de comprendre. Et c'est ça qui est arrivé avec les disciples sur la route Emmaüs là. Malgré Jésus qu'on a annoncé qu'il est prêt à mourir et l'a gagné pour le ressusciter, il est mort, mais il n'a pas cru toujours qu'il a gagné pour le ressusciter sur le troisième jour. Il n'a pas cru ça. Et sur la route là, il a marché et voilà que Jésus va l'approcher. Donc, il n'a pas cru que c'est Jésus qui va l'approcher beaucoup de gens. Il a marché avec lui, il a demandé, mais dès qu'il s'en a parlé comme ça, il a dit, mais, n'est-ce pas, vous faites venir ici, ou pas comme ça que t'es passé, ou pas comme ça que t'es arrivé. Et voilà. C'est dans le moment où il va casser le pain et laisser le ça, il va l'ouvrir. Ça veut dire, initiative pour nous venir joindre Jésus, initiative pour nous voir Jésus, initiative pour nous sortir dans le péché qui empêche nous voir Jésus. Donc, c'est bon côté lui-même, même encore l'a sorti. Initiative, il n'y a pas venu bon côté nous. C'est pas nous-mêmes, à propre force, pour être pas nous, avec force. Peut-être pas nous pour nous capables de venir beaucoup de Jésus, mais c'est lui-même qui a attiré nous. Hein? C'est lui-même qui sent là. Ce n'est pas un centre pour tout le monde écarté de lui-même, mais c'est un centre côté tout le monde a venu vers Jésus. C'est ça qui arrive. Ça veut dire que c'est Jésus qui a permis de dire ouais. Ça veut dire, apôtre, il n'y a pas de clair. Il n'y a pas de comprendre ce que Jésus a dit. Et c'est normal pour ne pas comprendre. Parce que, il y a un Messie hein, qui est si fort comme ça. Et nous-mêmes, chrétiens, devons parler de bon Dieu et nous voyons la toute puissance. Comment y a un monde qui est tout puissant capable de venir mourir pour nous? C'est ça que je ne suis pas capable de comprendre. Hein? Comment y a un monde qui est si fort capable de venir mourir pour nous? Et qui ça, l'amour bon Dieu à ta voix, s'il peut être capable de racher nous sortir dans la mort? Qui ça, l'amour bon Dieu a tabou, s'il pas capable de descendre la ville pour en forme comme nous, pour être capable de bannir la vie tout neuf. Et c'est ça, frère Marek Semyo, pour nous capables de comprendre. Jésus, une deuxième fois, il a annoncé, il prend le mourir, mais après, il pas comprendre. Mais certainement, puis devant, il a le gagner pour comprendre. Jodi, il a fait mémoire, la Vierge Marie, le samedi, qui est toujours consacré à maman non la Vierge. Donc nous pas capable oublier maman ça, maman Notre-Dame du Perpétuel Secours, maman Notre-Dame d'Altagrâce qui était portée sauveur ça ban nous. Hein, il annonçait le pral mourir, c'est pour nous-mêmes pour capable pas ban nous la vie. Et c'est maman ça qui portait petite ça pour nous pour capable ban nous la vie. Ça veut dire maman ça, même Jean petite là ban nous la vie. Donc maman ça, il participait dans bail petite lio la vie. Comme avec Semyo, à nous disposer cœur non pour nous capables mander Jésus-Christ lui-même par l'entreprise maman Notre-Dame du Perpétuel Secours, maman Notre-Dame d'Altagrâce, pour nous capables ban nous force pour nous capables connaître bien faut que nous refaites une autre fois dans Jésus-Christ parce que la ban nous la vie. Faut que nous souffrions avec Jésus-Christ parce que lui-même il fait solidarité dans souffrance nous. Il fait solidarité avec nous. On nous mourir une autre fois avec Jésus-Christ parce que lui-même il mourit pour nous, il fait solidarité dans la mort avec nous pour être capable de ban nous la vie, il n'est pas arrêté dans la mort mais il débouché sur la vie tout neuf, il ressuscité avec nous. Faut que nous mourir avec Jésus-Christ pour nous capable ressusciter avec lui pour nous capable à vivre dans la vie tout neuf là, dans la vie qui pas jamais finir, hein? La vie papa petite là. Avec l'Esprit Saint. Frère Semyo,
en offrir prière nous yo by bon Dieu par l'intercession des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint consolateur qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, reine des anges, priez pour nous. Saint Joseph, époux de la reine des anges, priez pour nous. Saint Michel archange, priez pour nous. Saint Michel archange, héros du Christ roi et de la reine du monde, priez pour nous. Saint Michel archange, miroir d'humilité, priez pour nous. Saint Michel archange, terreur des démons, priez pour nous. Saint Michel archange, protecteur et défenseur du saint sacrifice de la messe, priez pour nous. Saint Michel archange, rempli de la sagesse de Dieu, priez pour nous. Saint Michel archange, parfait adorateur du Verbe divin, priez pour nous. Saint Michel archange, couronné d'honneur et de gloire, priez pour nous. Saint Michel archange, très puissant prince des armées du Seigneur, priez pour nous. Saint Michel archange, porte-étendard de la Sainte Trinité, priez pour nous. Saint Michel archange, gardien du paradis, priez pour nous. Saint Michel archange, guide et consolateur du peuple d'Israël, priez pour nous. Saint Michel archange, splendeur et forteresse de l'Église militante, priez pour nous. Saint Michel archange, lumière des anges, priez pour nous. Saint Michel archange, rempart des orthodoxes, priez. Saint Michel archange, force de ceux qui combattent sous l'étendard de la croix, priez pour nous. Saint Michel archange, lien de la charité fraternelle, priez pour nous. Saint Michel archange, lumière et confiance des âmes au dernier terme de la vie, priez pour nous. Saint Michel archange, un secours très assuré, priez pour nous. Saint Michel archange, notre aide dans toutes nos adversités, priez pour nous. Saint Michel archange, héros de la sentence éternelle, priez pour nous. Saint Michel archange, consolateur des âmes retenues dans les flammes du purgatoire, priez pour nous. Saint Michel archange, que le Seigneur a chargé de recevoir les âmes après la mort, priez pour nous. Saint Michel archange, notre prince, priez pour nous. Saint Michel archange, notre avocat, priez pour nous. Saint Gabriel archange, priez pour nous. Saint Gabriel, plein de la force de Dieu, priez pour nous. Saint Gabriel, très dévot gardien de la bienheureuse Vierge Marie, priez pour nous. Saint Gabriel, qui avait annoncé à Marie l'incarnation du Verbe, priez pour nous. Saint Gabriel, qui avait annoncé à Zacharie la naissance du précurseur, priez pour nous. Saint Gabriel, protecteur des serviteur de Marie, priez pour nous. Saint Gabriel, notre avocat, priez pour nous. Saint Raphaël archange, priez pour nous. Saint Raphaël, guide des voyageurs, priez pour nous. Saint Raphaël, droit de la grâce de guérir, priez pour nous. Saint Raphaël, ange de paix et de prospérité, priez pour nous. Saint Raphaël, gardien de l'innocence du jeune âge, priez pour nous. Saint Raphaël, secours de tous ceux qui implorent votre assistance, priez pour nous. Saint Raphaël, le saint ange du Seigneur qui fut envoyé pour guérir Tobie et Sarah, priez pour nous. Saint Raphaël, protecteur des jeunes foyers, priez pour nous. Saint Raphaël, notre avocat, priez pour nous. Esprit bienheureux des neuf cœurs des anges, priez pour nous. Esprit bienheureux des neuf cœurs des anges, priez pour nous. Esprit bienheureux des neuf cœurs des anges, priez pour nous. Agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Priez pour nous, ô glorieux Saint-Michel, prince de l'Église de Jésus-Christ, afin que nous puissions être dignes de ses promesses. Priez pour nous, Saint-Gabriel archange, afin que nous devenions de vrais apôtres de Notre-Dame. Priez pour nous, Saint-Raphaël, notre guide, afin que nous soyons fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, Dieu de bonté et de miséricorde,
Écoute les prières que nous t'adressons par l'intercession de tes saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Accorde-nous par les mérites de la passion et de la mort de ton Fils Jésus sur la croix, la grâce de vaincre toutes les forces du mal et de nous unir étroitement à toi. Amen. Amen. Il a fallu la terre et le temps d'un semail. Il a fallu le blé sous le soleil d'été. La faute du moissonneur et la farine blanche. Le travail des humains pour que vienne ce pain. Voici le pain, ensemble nous offrons le pain de notre vie, le pain de notre amour, le pain de notre terre, les larmes et les joies et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. Au danse de Cana, ce fut la grande fête. Mais quand le vin manqua, on se tourna vers toi, aller chercher de l'eau et faites la bouteille. Il nous faut du bon vin pour finir ce repas. Voici le vin qu'ensemble nous offrons, le vin de l'amitié, le vin de notre joie. Le rire des enfants, le chant de l'assemblée et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons que nous t'offrons. Fait qu'à l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie, nos cœurs irradiés par la lumière du Saint-Esprit, on cherche toujours ce qui vient de toi et le garde fidèlement par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui,
s'incline devant toi, les puissances d'en haut, et tressaille d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ. Notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. » Rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max, le roi, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qu'on a recommandés à nos prières. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les personnes qui ont recommandé cette messe, cette trentaine. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les bienfaiteurs, les bienfaitrices, sur nos collaborateurs, nos collaboratrices. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire. Rachel Lindsay, Kaiden Edmond, Cécile Amézial, Chantal André, Darly Célestin, Destin Brendel, Dieniline Valentina Antoine, Jules Alain François, Katiana Widji Augustin, Lovely Attil, Madame Diocy Cola, Myrland Altidor, Nathanaël Moïse, Patrick André. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les autres personnes qui célèbrent leur anniversaire. Sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Sur les personnes en difficulté, les chrétiens persécutés. Sur les malades. Sur notre pays, sur le peuple haïtien. Sur les personnes qui participent à cette messe à travers la radio, la télévision, les réseaux sociaux. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur chacun de nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrâce et Dieu perpétuel, secours, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés
de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Saint Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est Père vivant. Mon Dieu, vous êtes par le peuple, maman Marie, porte-t-elle pour nous. Maman Marie, porte-t-elle pour nous. Jésus, c'est Père, sorti dans le ciel. Mon Dieu, bénis-nous pour la vie enfant. Saint Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est Père vivant. Mon Dieu, voyez, Père peuple, maman Marie, porte-t-elle pour nous. Maman Marie, porte-t-elle pour nous. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est Père vivant. Mon Dieu, voyez, Père peuple, maman Marie, porte-t-elle.
pour nous. Oh, mon mari, votez pour a fait participer à la rédemption éternelle et nous te prions, Seigneur. Alors que nous faisons mémoire de la mère de ton Fils, comble-nous de la plénitude de ta grâce et fais-nous éprouver toujours davantage les effets du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci, frères et sœurs bien-aimés, de votre présence et de votre participation. Merci au diacre Mick Deroué, merci au servant d'hôtel, merci à frère Dadi, merci à ma sœur, sœur Marjorie, merci à Maestro David, Serge, aux techniciens, caméramen, merci à tous, merci à chacun. Joyeux anniversaire à Rachel Lindsay, Aiden Edmond, Kaiden, Wokeden Edmond, Cécile Amisial, Chantal André, Darly Célestin, Destin Brendel, Jenny Lynn, Valentina Antoine, Jules Alain François, Katiana Widji Augustin, Lovely Attil, Madame Jessie Cola, Mirland Altidor, Nathanaël Moïse, Patrick André. Joyeux anniversaire à tout autre monde qui a célébré anniversaire. À nous toutes, bonne fête. C'est pour bon Dieu, vie de grâce et bénédiction sous nous en abondance. À vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Nous demandons pour bon Dieu continuer à garder nous dans la remède et par l'intercession des saints archanges,
C'est pour bon Dieu, ben nous toute grâce et bénédiction que nous avons besoin. C'est pour faire nous jouer une victoire dans le combat. Nous. C'est pour guérir nous, pour délivrer nous, pour porter la paix, la joie pour nous. Et c'est pour porter la paix pour payer nous, Haïti. Ensemble, en nous, unis que nous, unis voix nous, pour nous faire prière aux saints archanges. Ô grand Saint-Michel archange, ô même qui remplit avec sagesse, bon Dieu, qui fort dans tout combat, venez porter nos secours. Soutenez-nous dans la difficulté et dans l'épreuve nous. Consolez-nous le nap souffri, tant que le nap crié. Bas nos forces et courage pour rien pas faire nous désespérer, ni douter de présence bon Dieu dans la vie nous. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre toute force mal. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre tout ennemi visible et invisible. Nous remettons tout combat nous yo dans la main. Supplique à Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vos princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Saint Michel Archange, de ta lumière, de tes ailes, de ton épée. Saint Michel Archange, de ta lumière, de tes ailes, de ton épée. Saint Michel Archange, de ta lumière, de tes ailes, de ton épée. Saint Gabriel Archange, au même qui s'efforce à messager bon Dieu, portez nos secours. Campez avec nous pour nous capables forts avec force, bon Dieu. Campez avec nous pour toute vie force rester loin de nous. Fais-nous remplir avec force, bon Dieu, pour nous arriver à remporter la victoire sur toute force mal. Campez avec nous pour nous toujours dire, bon Dieu, oui. Même Jean, la Vierge Marie, t'a dit, bon Dieu, oui. L'heure où tu as annoncé la naissance, sauve-nous, Jésus-Christ. À travers nous-mêmes, nous voulons confier, bon Dieu, toute la vie, nous. Saint Raphaël Archange, ou même qui compte faire guérison, n'a pas supplié pour guérir nous, ensemble avec tout le monde qui est malade, dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. N'a pas présenté tout le monde qui est malade, dans la famille et tout l'autre malade qui comptait sur la prière nous et le secours. Couvrez-nous en bas zèle pour aucune maladie ne fait nous peur, mais pour nous toujours faire, bon Dieu, confiance, les mêmes qui ont pouvoir guérir toute maladie et toute infirmité.
je vous salue. Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Notre-Dame du perpétuel secours. Secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier, protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Notre-Dame de la Merci, priez pour nous. Tous les anges et tous les saints du ciel, intercédez pour nous. Sang précieux de Jésus, tombez sous nous en puissance. Sang précieux de Jésus, tombez sous nous en puissance. Sang précieux de Jésus, tombez sous nous en puissance. Jésus, moi j'ai confiance dans vous. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne méditation et à tout le monde qui pourra participer dans la deuxième messe, bonne célébration. Merci mon Père, pareil. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ton poids, tu es.